tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu qui est sorti sur Xbox. Hidebunker Rhythm Royal. Donc comme vous voyez, les petits poulets. Donc c'est un jeu qui est sorti sur multi-console, Nintendo, PlayStation, Xbox et PC. Alors il est sorti le 27 août 2023, mais apparemment il sort qu'aujourd'hui le 31 octobre 2023 sur Xbox. Donc nous allons le tester sur Xbox, voir ce qu'on peut faire. Donc je vais tester le jeu, voir comment ça se joue, et puis si ça vous donne envie de tester, on pourra peut-être faire des parties ensemble. Alors déjà, progression, ok, donc c'est Game Pass. Défi pour aller commander les costumes, là tu t'équipes, ok. Et puis on va voir jouer. Et puis là, il sera mis Y. Ah, allez, vas-y, on va faire une petite partie. Alors, attraper une boîte à objets avec... Ah, j'ai pas le temps de voir les touches. Je suis auquel moi je suis en plein milieu, je suis blanc, je suis un homme basique. Run pigeon, run! Ouais! Qu'est-ce qu'on va faire? X c'est les avions et A c'est les voitures, ok. Il n'y a que deux touches alors. Frapper les objets en rythme avec les 20 meilleurs scores, ok. Alors je suis pas très fort à tout ce qui est touche rapide. Ok, allez, prépare la console, la manette. Avec deux touches à appuyer, il faut appuyer au bon moment. Je suis pas très fort, hein. Oh là là, c'est chaud. Il a attrapé, je crois. Attrapé. Ah, j'ai loupé. Un rythme, pas la musique. Ah, comme je dis, hein, je suis pas très fort en tout ce qui est rapide. Oh là 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 là. Je suis pas fort, hein. Si t'appuies, quand il faut pas, tu n'as pas le score. Oh là là là, j'ai pas fait fort, hein. J'ai pas fait fort. Vraiment, va voir le classement un petit peu. 20ème. Pile. C'est les 20 premiers qui sont qualifiés, non? Eh, je suis qualifié pile à des moments. Et alors le score? Ah ouais, j'ai un peu de marge. Eh, le mec, il a fait quand même parfait 80 fois, hein, 83 fois. Et j'ai quand même plus de score que lui. Ah, à mon avis, c'est parce que j'ai pris des objets volants. Ce qui m'a permis de bien monter. Alors, c'est quoi le round 2? Bon, vous voyez, hein, c'est plein de petits objets. Donc, 30e, 20e, 10e et 5e. Le first piano tutor. Jouer toutes les mélodies le plus vite possible. Ah, faut que tu regardes droite-gauche et après tu appuies sur A dessus. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Donc tu as la molette de gauche, tu te diriges et il faut que tu appuies sur A, il faut que tu te rappelles des touches qui ont été jouées. Aïe, 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 aïe.
Ce que c'est hard. Alors. Allez. Bien regardez. Alors. Ok. C'est celui-là. Ah non! Ah, j'ai pas regardé. Ah merde. Ah merde. Je suis pas fort, hein. Ah! Est-ce que je suis dans les premiers? Je suis pas dans les premiers. Qualifié 14e. Ah mince. Et voilà, il y a combien d'avance? Ah ouais, j'étais avec 3. Manqué 3, j'en ai manqué 3, je suis 30, je suis 14e. Ils ont fait plus de points que moi, ils sont les plus rapides que moi. Ok, récompense. La classe. Et je gagne du pain. Les miches de pain. Et ouais, et tu montes. Fais voir un petit peu les différents modes. Il n'y a pas les petits différents modes que tu peux avoir. Mince, je vais plus surjouer. Je vais pas jouer. Je vais regarder en arrière. Je vais regarder les différentes parties que tu pouvais avoir. Ça, il n'y a pas par contre. Donc, tu peux inviter des amis, ouais. Après, tu as des sous après? Pour acheter. Fais 8 parties. Il y a 8 parties. Ah, celui-là, j'ai fait celui-là. Ok, faut que tu complètes tous les. Ce qu'il demande pour avoir. De ça, ok. Il faut des miches de pain pour avoir les récompenses qui sont là. Il est pas mal dur, hein, quand même. Hein. C'est un peu du même genre que. Comment ça s'appelle je m'appelle le jeu là. Où tu te balaises, tu passais. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion et de. Par contre, pour travailler la mémoire, ce jeu est pas mal, hein. Ça, c'est pour travailler la mémoire, le rythme et tout, c'est pas mal du tout. Voilà, mais en tout cas, vous voyez un petit peu du jeu, voir si ça vous donne envie de tester ou pas. Si jamais vous voulez acheter le jeu, si jamais vous ne l'avez pas gratuitement, si vous voulez acheter le jeu parce que vous voulez forcément jouer, vous pouvez peut-être aller sur ma. Peut-être. Vous pouvez aller dans ma description, cliquer sur le lien Instant Gaming. C'est un site qui vous permet d'acheter des jeux dématérialisés à prix réduit. Il suffit juste d'aller sur ma description, cliquez sur le lien, ça vous envoie sur leur site. Une fois que vous êtes sur leur site, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé le compte grâce à mon lien, vous pourrez acheter des jeux dématérialisés à prix réduit. J'achète tous mes jeux là-bas, donc entièrement confiance en le site. Allez, sur ce, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.